Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un déclencheur manuel dans la maçonnerie de la marque Le Grand et la référence 0392. Bon, on va sortir le DM de la boîte d'origine. Voilà. Et voici le DM. Il est tout neuf. L'étiquette est estampillée NF. Voilà. C'est toujours comme une nouvelle installation depuis très longtemps. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous montrer à l'intérieur de ce DM. Donc là vous avez le contact d'alarme. Là on entend le clic. Celui-là c'est enfoncé par une membrane déformable. Là c'est enfoncé par la clé. Ça c'est pour une simulation de l'alarme comme test. Voilà. Maintenant je me montre à l'intérieur. Ainsi que les bornes de raccordement. Et voilà, comment le présenter? Donc là vous avez le socle. Et là vous avez le DM avec le circuit. Avec 5 bornes de raccordement. Là vous voyez là. Donc vous avez numéro 2, le commun. Et numéro 4 normalement fermé. Et numéro 5 normalement ouvert. Alors le 1 et 3, donc ça c'est bouclé. C'est comme le neutre, comme négatif. Voilà. Donc maintenant je vous montre le schéma. Alors, donc là vous avez le schéma. Vous avez le schéma, la partie de type 2B, type 3 et type 4. La partie type 2A et la partie pour l'équipement de contrôle et de signalisation. Donc là, si vous avez, vous allez raccorder pour le type 2B, type 3 et type 4, avec le contact normalement fermé pour le numéro 2 et numéro 4. Ça c'est normalement fermé. Et à la fin de ligne, vous allez boucler, vous allez utiliser un petit fil. On va brancher numéro 4 et numéro 3. Ça, c'est bouclé. D'accord? Donc, ensuite, là, vous avez la partie de type 2A. Pour chaque DM, vous devez avoir le contact d'alarme avec une résistance 750 ohms. Et vous avez la fin de ligne 3 kilo ohms. Et là, c'est pareil, 3 kilo ohms. Pour chez vous devez avoir 560 ohms. La résistance les branchés numéro 5 et numéro 3. D'accord? Bien maintenant, je vous montre comment ça se passe le déclenchement de l'armement de ce DM. Voilà, donc pour le déclenchement de l'alarme, donc si j'appuie sur un DM, voilà, donc là il est déclenché, donc là il est en alarme. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On va réarmer avec la clé de réarmement. Il suffit de mettre dans un trou en forme de C à l'envers et ou enfoncer pour réarmer. Voilà, et là c'est réarmé. Et là vous avez également simulation de tête. Là, vous entendez le clic. Voilà. Donc, avant de finir la vidéo, je vous montre une notice maintenant.
Et voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu.